doit mettre sur le pied et ne créer. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. C'est vrai, tu vas en. Salut et bienvenue sur Eclébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Boebike, Tozalina et Sengomingi. Parce que Otolobarana 5 minutes avec César Ngadi et Yangoum te salami. Nakanisi binomoko, vous allez vous reconnaître. Moussalape Oyobiso Tosali. Pour la présidente de la République, Nabiso Boyebi, ma camarade Lobaka. Donc, les années de prophétie, n'a pas dit que Moutoko, Lia Félix, à toi, tu sais que dit comme opposant Zate, Bakangamata, et Bélé, donc dans mon pique, Félix, à toi, tu sais que dit Lia Bango. Donc, bon, Mounou et Salami, à Lia Bango partout, partout. N'a pas qui c'est qui Moukouege, Moukouege, Tika Makambo, Moukouege, prix Nobel, et la guise politique était politique, bah bon, Makanango batou, politique, bah si la Kanango. Bloc opératoire, ça n'a rien à voir dans la politique. Il y a mon équipe, prix Nobel, on a fait ça, il y a Solopé et Salé Makabou. Et puis pour rappel, le président de la République, Fatshi Béton, a été réélu avec 73,34%. Donc vraiment, et ça l'a maintenant parce que Boyebike élection a bu sur les Algaïa tour moko parce que bon moi on a pas au premier tour jamais penza donc mutako mara na place on a bu sur donc tour moko ceux qui candidat ça déjà 73,34% donc peuple penza lingi ben score yo et ça la mara mingi na deuxième tour na ba France mais na ba 73% donc si côté tout la bino botala. Discours au Félix Antoine Tshisekedi Fatshi Béton à Betaki tout jusqu'après publication et à bas résultat. Donc, on a na qui genaye. Donc, discours moko vraiment bon monique et sengo. Mais, azo sepe la penza milite parce que, aébi que boulot il fait banda. Si quoi, azo zila biso ba député national, to kota na katia parlement, to pesa yé majorité parlementaire. Donc, a banda boulot ko sakanate. Donc, malheureux, Boebike a reçu 5 ans Vimba, donc boulot fait bandamba la moko, oya sali, na 2 ans et demi, et gozala, soussou, yakoleka. Na tiki bino siko botala, discours au président de la République, apesaki, et puis, toko lagisape bino, donc ambiance, bah, si kanyo surtout, oyo, et le kaki, na publication, tant que ba publia ki, toko lagisape bino. Pour la Tsabino, la ville, ndenge ba sepeli, c'est normal, Congo, penze fois c'est plat parce que, ba ndoki a Congo, ba ya ki pou bazwa, ma solo, me bo la, me bo yo ka fati, e mora lobi, ezala ki ma kambu, ezala ki li kambu ma belé, ndenga lobi on a ndenga bana ba ki, ezala ki kambu ma belé parce que, ba tu anam moussousou, ba zala ki ba tu, ya ma belé te. Donc, tout ce qui est bien, discours, il y a président de la République, tout jusqu'après publication, ba résultat, na ki genaye. Donc, restez connectés sur Eclé Bois Original, on revient tout de suite. Seigneur, le maître des temps et des circonstances, pour cette belle victoire qu'il accorde au peuple congolais. Mes très chers compatriotes, vous venez de faire entendre de la manière la plus audible et la plus intelligible qu'elle soit votre voix, la voix d'un peuple vaillant, engagé et déterminé à ne manquer sous aucun prétexte, ce 20 décembre 2023, son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale en participant massivement aux élections générales prévues par le Constituant. Cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces 3 dernières années, la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voix d'un peuple mature
et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré envers et contre tout, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie, autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés. Pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendu au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel le prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité, et dont les plans macabres, d'ores et déjà planifiés, n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs, après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kimpa Vita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, cher peuple congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société, dont les politiques
publique était jusqu'à peu moins tournée vers le Congo profond et plus concentrée sur les centres urbains. Vous avez donc cru en ma profession de foi, celle du réenchantement de la nation congolaise, initiée dès 2019 et qui veut que chaque Congolais, où qu'il se trouve, en milieu urbain comme en milieu rural, ressente la présence de l'État et puisse tirer profit de l'action gouvernementale ainsi que de nos richesses communes. Enfin, vous avez adhéré à ma vision et au projet de société vous présentez dès l'entame de campagne qui s'articule autour des 6 engagements majeurs et de 3 initiatives présidentielles prioritaires. Peuple congolais, mes très chers compatriotes, je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'action pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo, d'aimer notre Congo et l'empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d'emplois au profit des Congolaises et des Congolais, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national. Le programme de développement local des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle dont le bel élan déjà amorcé ne saurait être brisé. Nos milieux urbains et ruraux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. Mes très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Ouélé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Ouélé, d'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de la Lomami, du Lualaba, de Maïndombe, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Tchopo et de Tchouapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotions partagées au cours duquel et à chaque étape vous m'avez prouvé et à travers moi à tout le peuple congolais votre attachement à votre nation. J'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je disais donc, je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite, c'est-à-dire l'expression massive et historique de vos suffrages, vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout, au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays.
Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. À celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont, pour une raison ou pour une autre, pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chères Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de l'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. Soyez rassurés que la République démocratique du Congo, sous mon impulsion, poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde. La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté, d'énergie et de ressources. Toutefois, la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont telles que je suis farouchement convaincu, rien ne pourra stopper notre élan. La tâche, vous êtes, vous, peuple congolais et souverain primaire, les principaux artisans et garants, comme pour le précédent, du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat sera le vôtre et il reviendra donc que vous le protégiez et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement. Mes très chers compatriotes, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée première dame Denise Nyakeru et j'aimerais également remercier toute ma famille, donc ma tendre épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d'un grand soutien et d'un grand réconfort. Je remercie aussi donc toute ma famille qui m'a accompagné et celle qui m'accompagnait par ses prières, qui n'était pas avec moi mais qui m'accompagnait par ses prières, comme ma très chère maman. Et vraiment que Dieu les bénisse pour tout cela. À ma formidable équipe de campagne, la team Fatih 20, portée par le binôme formé de Madame Acacia Bandoubola et Monsieur Jacquemin Chabani, je vous exprime toute ma gratitude. Merci. Aux vaillants alliés de l'Union sacrée de la nation, à travers le présidium et les membres, aux patriotes volontaires qui se comptent par millions ici au pays comme à l'étranger, qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale pour permettre au peuple d'accéder à mon projet de société et de voter massivement en ma faveur, veuillez recevoir ici
l'expression de ma grande reconnaissance. Merci. Aussi, je voudrais de manière spéciale saluer nos compatriotes de la diaspora qui, malgré tous les pronostics, sombres, ont fait retentir le profond attachement à leur mère patrie, la République démocratique du Congo, en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telle qu'exprimée au pays. Enfin, retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Banamboka, ezalinde likambo ya mabele. Congo, Congo ezali mboka ya bakoko na biso. Esengeli to bomba peto tonga yango elongo biso banso. Matondo mingi, aksanti sana. Toa sakidilo abunyi, mfia ukidi. Vive la démocratie, vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Bolandi discours moko vraiment il y a bien à Bosani batouté à Pessi Masolo il fallait appeler ça donc parce que donc qui salume banda donc a zui ango parce que a mérité qui ango a zo abotala boulo a sali na des ans et demi parce que fallait ne bandeli alors le système à Kabila donc azala qui na majorité té Covid makambe belebele mais suko penza a kozwa et en vimba bomo na boulo ndenge salma tous ali na confiance et à présent de la République na biso suko tous aussi la bino botala ambiance. Oui, les cas qui n'a pas commune et belé, n'a pas ville et belé, n'a pas province, to Tchelibino, Bolanda, Bomona, Batu, Nyo, surtout Bazaline et Sengo, parce que Balinga qui est le Kabo, et puis l'équipe, parce que Tobanda qui est un Kobiso, Dengiba, fasciste, par conviction, Ganamas, Ramalubes, Tobanda qui est un Bangate, Toba qui est un Kaka, Kabo. Donc, Tchelibino, Bolanda, Nabilili, Botala et Sengo, peuple Bazaline en repos. A voté présent au Sengela qui a voté. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Thank you.
dans mon fief de Basso. Je suis dans la province de la Tchopo, territoire de Bassoko, circonscription de Bassoko, où moi-même je suis leader, je trône. J'ai bâti campagne pour le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fatih Béton. Nous avons gagné. Je sais que ce pouvoir est dédié à tous les peuples congolais. Je voudrais aussi, après avoir rendu grâce à Dieu, féliciter le président élu pour le second mandat, féliciter spécialement le président national du MLC, le VPM à la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, papa, au Salinde Moussala. Bah, il percute Oyo Betaki avant la fin de la campagne et le Kelinga. Na comprendre que naza vraiment na école na yo. Po yemsa inga fanda calme, je prends les bons. Non, félicitations. Félicitations à tous ceux qui ont voté pour le candidat numéro 20. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir. Nous attendons pour les députés nationaux et provinciaux les 3. Nous allons encore nous réjouir le 3 janvier. Et le 4 janvier, ça sera pour les cas des communaux. Bravo, félicitations à toute l'équipe de la campagne. Le peuple s'est exprimé. Sincères félicitations à son excellence Fatih Béton, comme on l'appelle. Donc nos réactions, c'est demander au peuple d'abord au calme, se réjouir comme il se doit, et donc à ceux qui n'ont pas pu trouver la grâce auprès du peuple d'être élu, d'avoir le calme et d'accepter sportivement les résultats. Puis, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'on se rend compte que la Bible a toujours raison. Le pouvoir, ça vient de Dieu. Le pouvoir, ça vient de Dieu, ça vient de se confirmer. Et que tout ça s'est passé dans la transparence la plus totale. Je suis ravi parce que notre pays, je vais appeler ça notre pays, l'Afrique du Sud, était aussi sélectionné parmi les pays pilotes qui devaient organiser les élections. Donc tout était fait de telle sorte que ça soit la transparence la plus totale. Pour la première fois en République démocratique du Congo, c'était avec le système de l'élection présidentielle à un seul tour, devant 26 candidats, obtenir plus de 73% des voix, ça c'est un record jamais égalé en RDC. C'est la première fois que nous sommes devant un tel record. Nous félicitons chaleureusement et sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous lui souhaitons un fructueux mandat. La communauté congolaise vivant en Tanzanie avec le staff de l'ambassade se sont retrouvés aujourd'hui à la résidence pour célébrer la grande victoire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi qui a été réélu avec la majorité des voix. Je tiens à vous féliciter très chaleureusement pour ce second mandat. C'est un honneur que vous méritez. Vous avez la compétence, la générosité et surtout la vision nécessaire pour développer davantage ces grands et beaux pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Paris, en France, qui a été également l'un des sites de vote de la diaspora congolaise. Je tiens tout d'abord ici à féliciter de manière forte, chaleureusement, le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et cette cérémonie de publication de résultats par la CENI, diffusée en direct sur nos antennes, a tenu en haleine plusieurs Congolais, dont certains points chauds de la capitale, comme à la 10e rue limitée au siège de l'UDPS. L'ambiance était particulière. Voici le film d'avant, pendant et après publication dans ce reportage de Jules Chitumbay. Tous attendaient les derniers sifflets de la CENI, seule instance habilitée à proclamer les gagnants de la présidentielle du décembre 2023 de la RD Congo. Au siège de l'UDPS à Lumété, ils sont là devant ces petits écrans, apparemment impatients mais très sereins lorsque le président de la CENI fait son entrée dans la salle du centre Bosolo. Félix Antoine Tshisekedi proclamé président de la République, l'ambiance commence.
des sengomakas moi na ramoko a gagné. Donc ça les sengomingi biso bala limité pour ça moi na quartier na biso. To mona ki concurrent moko de taille oyo va faire vraiment égal n'est-ce pas Félix c'était. Du coup, devant la permanence, une marée humaine venait de partout. On va partir dedans. On va partir dedans. Tout là, États-Unis de OK, tu vas perdre de OK. Des Allemands d'Afrique. Même les transports en commun deviennent gratuits. Tout l'humanité est resté en ébullition. Chacun veille sur l'autre pour éviter les dérapages. La journée est longue. C'est là qu'il y a depuis Kala. Les lots ont complété Kaka. Dimanche 31 décembre 2023, il est 10 heures passées de quelques secondes, nous sommes à la place Kintambo Magasin. Ici, c'est déjà la fête. L'endroit est noir de monde, podium aménagé. La population, en totale euphorie, s'apprête déjà à célébrer la victoire de son candidat. À l'heure H, alors que le bureau de la CENI annonce les résultats, tous les yeux braqués sur l'écran géant. Au moment où Denis Kadima proclame le champion Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout est en l'air. À chacun sa manière de vénérer le sacre, jamais un candidat président de la République n'a raflé autant de voix à ses adversaires avec un écart si considérable. C'est à 16h02, heure de Kinshasa, sous la lumière du jour, que le président de la CENI a débuté la lecture de la décision. Avec Codiacimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiacimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiacimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiacimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mais galaxie mambo,
dans les restaurants. Et ça me cicaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngweza ka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolisa nango na poche. Et na kosi na poche veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous kende. Donc osaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais, congolais comme taoyé bango. Donc congolais comme taoyé bien. Congolais comme taoyé ba lengi nini yo yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc c'est Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec c'est Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de c'est Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de Javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Asosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano, 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours ça marche comme ça là, avec la télévision. Toujours. Allons, même Wami, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Oh, j'ai lui ton coiffier. Mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. C'est vrai, tout en a un du vent.